Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanswe Born. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre témoignage puissant. Ce que vous allez voir et entendre ce témoignage, franchement, ça va vous étonner. Un enfant qui sera tranquillement à l'école va recevoir la visite d'une personne inconnue qui va le transporter en esprit dans une forêt où il verra des animaux féroces. Que va-t-il se passer? Il va tout nous raconter ici et il a seulement 9 ans. Regardons ce témoignage pour en savoir plus. C'est parti. J'ai pratiqué la magie depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis né et grandi dans une famille catholique, car mon père et ma mère étaient de chrétiens catholiques, dans la paroisse de Saint-Quisito, à l'arrondissement de Limeté, d'une part. Ma mère était leader et membre de groupe des mamans légionnaires. Ce groupe de mamans légionnaires se réunissait régulièrement dans notre enceinte. D'autre part, mon père était très proche de notre prêtre. En plus de cela, il était leader dans notre paroisse ici dans la ville province de Kinshasa. En outre, les enseignements pour la préparation au sacrement de la confirmation du première communion avaient lieu dans notre parcelle. En effet, dans la religion catholique, la confirmation et l'Eucharistie constituent l'ensemble des sacrements de l'initiation chrétienne dans la foi, et donc les fidèles de notre paroisse venaient chez nous pour la préparation au sacrement du première communion. En plus de cela, la répétition de la chorale de notre paroisse avait lieu dans notre enceinte. Alors, chaque matin à la maison se tenait une messe matinale à la maison. Il était dirigé par mon père et ma mère, ils nous obligeaient tous à prendre part à ce messe. Avant la messe matinale, ils prenaient du temps pour arranger et aménager la place, en installant des fleurs, des statues de Marie et Jésus. Et pendant ce messe matinale, toute la famille répétait ce prière à la Sainte Vierge Immaculée Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Puis mon père et ma mère nous aspergeaient de l'eau bénie, dans le but de nous protéger, plus particulièrement contre la sorcellerie, et les méfaits de sorciers. Et pourtant le vrai protecteur dans ce monde c'est Jésus-Christ de Nazareth, il est le bon berger. Maintenant que je suis en Christ, j'appelle ce soi-disant eau bénie ou eau maudite, je parlerai de cela en profondeur dans le cadre de la magie blanche. Bien-aimé, je suis né le 26 novembre 1969, un jour le matin quand j'avais l'âge de 9 ans, je me rappelle j'étais au 4e primaire, je m'apprêtais le matin pour aller à l'école, à cette époque ma mère vendait le gâteau. Et elle me donnait régulièrement des gâteaux que j'ai mangés pendant la récréation à l'école. Mais ce jour-là ma mère ne pouvait pas me donner le gâteau, car la messe du dimanche avait duré et elle n'avait pas eu le temps de faire de gâteau pour nous. Elle ne pouvait pas le préparer à cause du fait que la messe de dimanche avait terminé très tard. Mais elle m'avait quand même promis qu'après l'école elle allait me préparer le gâteau. Mais ce jour-là qui semblait être comme d'autres jours était tragique pour moi et ma famille. Je ne savais pas que j'allais contracter la sorcellerie ce jour-là, alors que j'allais à l'école. En cours de route je me disais, durant la récréation je ne sortirai pas de la salle de classe, car je n'ai pas apporté quelque chose à manger. Bien aimé, je ne savais pas qu'à l'école où j'étudie il y avait un grand sataniste, membre de la secte Rose Croix à mort. Cet occultiste avait signé un pacte avec le diable qu'il renouvelait régulièrement. Ce monsieur servait le diable, qui avait déterminé les nombres des années qu'il devait vivre sur la terre. Après cela il devait mourir pour aller servir Satan dans le monde de Pandémonium. Le monsieur avait renouvelé son alliance avec Satan à 2 reprises, afin d'étendre le nombre des années qu'il devait vivre sur la terre, mais à la 3e fois le diable avait dit non. En revanche il devait mourir et continuer sa vie dans le monde de Satan, mais il fut instruit par Satan à transférer ses pouvoirs à quelqu'un avant de mourir. En effet le diable lui avait recommandé de sacrifier 25 personnes, comme offrande de la fin de sa vie et son mandat sur la terre, et de trouver un jeune garçon qui sera son remplaçant sur la terre. Pour cette raison ce sataniste devait trouver un gamin afin de lui transférer 3 types de sorcellerie, 3 formes de magie et 3600 démons qui étaient à son service. C'est alors que cet homme est venu s'inscrire à l'école primaire de l'église du Christ au Zaïre où j'étudiais. Il prétendait inscrire son fils dans cette école où j'étudiais, mais à vrai dire, quand il venait à l'école, il prenait la forme de gamin et il venait à l'école sous l'apparence d'un écolier, alors qu'il était un adulte. Ceci dans le but de trouver un garçon pour lui transférer le pouvoir magique et le 3600 démons à sa disposition. Quand ce monsieur quittait sa maison il était adulte, arrivé quelque part, il plaçait le boule magique sous sa langue, et il récitait de mots magiques, comme résultat il prenait la forme d'un écolier. Aussitôt il se dirigeait à l'école avec cette apparence, c'est ainsi que personne à l'école ne savait ceci.
même pas ses collègues de la sixième. Raison pour laquelle, bien-aimé, je veux vous prévenir, vous qui me suivez en ce moment, je voudrais vous poser cette question. Connaissez-vous l'état d'âme de vos amis, notamment ceux qui sont proches de vous? Vous leur parlez même de vos projets sans pourtant connaître leurs conditions spirituelles. Si tu veux être proche d'une personne, il est impératif de connaître son état d'âme. À cause de l'ignorance, tu vas fréquenter même des sorciers sans le savoir, qui en retour vont bloquer tout ce que vous entreprenez. Et donc ce monsieur venait à l'école sous forme d'écolier, bien qu'il était un adulte. Dans le monde de Satan, il y a un démon au nom de Maître 1, le double, qui permet aux satanistes de se transformer et de prendre différentes apparences. Alors ce jour-là le matin, ma mère n'a pas fait le gâteau pour moi. Elle m'a promis qu'après l'école au retour, elle va me préparer le gâteau. Je suis donc allé à l'école comme ça, et en cours de route je me suis dit, comme je n'avais pas amené quelque chose à manger à l'école. Aujourd'hui je ne sortirai pas de la salle de classe pendant la récréation. Et ce jour-là pendant la récréation à l'école, ce monsieur qui avait pris la forme d'un écolier, provoqua un bagarre avec un autre gamin de la cinquième année. L'objectif de ceci était d'attirer tous les élèves de l'école pour qu'ils se choisissent un gamin dont il va conférer ses pouvoirs mystiques. Ce jour-là pendant la récréation j'avais décidé de ne pas sortir de la salle de classe, car ma mère ne m'avait pas donné de quoi manger. Durant la récréation, pendant que j'étais en train de me détendre dans la salle de classe, soudainement, j'ai attendu les élèves faire de bruit dans la cour. Ils s'étaient attroupés autour de deux élèves qui se battaient, ils les avaient entourés, et donc par curiosité, je suis sorti pour aller regarder la bataille de ces élèves. Pourtant j'avais décidé de ne pas sortir de la salle de classe pendant la récréation. Tout ceci résulte de l'envoûtement. Il existe la sorcellerie par curiosité, la sorcellerie comportementale et celle de conservation. C'était par une curiosité résultant de l'envoûtement que je suis sorti de la salle de classe. Mais alors que je me dirigeais vers la foule de ces élèves qui regardaient ce bataille, j'ai constaté que tous les élèves de mon école ont tourné leur regard vers moi et me regardaient. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tout le monde m'observait. C'est alors que j'ai compris qu'ils me regardaient parce qu'un de ces gamins qui était en train de se battre avec un autre élève avait arrêté la bataille. Ce gamin était le vieux sorcier déguisé. Il me contemplait d'une façon bizarre. Ce sataniste qui avait pris la forme de gamin m'avait fixé le regard pour me dominer, m'envoûter et établir une alliance avec moi. Quand mes yeux se sont croisés avec cette sorcière, j'ai eu peur, car depuis que je suis né, personne ne m'a jamais regardé et fixé de la sorte. Son regard était satanique, mystérieux et profond. Alors que j'avais les yeux fixés sur ce sorcier, j'étais comme hypnotisé. Immédiatement j'ai ressenti comme si une force était projetée par ce sorcier dans mon âme. Une force sortait de ce gamin et entrait en moi, et à l'instant même et en un clin d'œil, je me suis retrouvé instantanément au milieu de la forêt. Un grand forêt, ceci se passa en un clin d'œil, j'étais en uniforme à l'école, et en un clin d'œil comme ça, je me retrouve tout à coup au milieu de la forêt, et je ne savais pas comment je fus transporté subitement de l'école à ce forêt, et pourtant il y a une minute j'étais dans la cour de l'école d'autres gamins. Bien aimé, j'étais en réalité au milieu de la forêt équatoriale, qui est la seconde forêt au monde après l'Amazonie, cependant je n'avais même pas senti que je me suis déplacé géographiquement, même pas un mouvement quelconque. Mais juste en un clin d'œil comme ça, du coup je me retrouve au milieu de la forêt, alors que j'étais à l'école il y a même pas une minute. Cette forêt était massive, il y avait des grands arbres. À cette époque j'avais 9 ans. Une fois que je suis atterri dans cette forêt, j'ai réalisé que j'étais en uniforme, exactement comme j'étais venu à l'école. Imaginez un gamin de 9 ans qui est allé à l'école, et qui se retrouve en uniforme à des milliers de kilomètres de son école, au milieu de la plus grande forêt du continent, dans un endroit inconnu. Alors que mes parents qui m'avaient envoyé à l'école n'avaient aucune idée du fait que j'étais au milieu de la forêt équatoriale, j'étais dépassé par ce qui m'arrivait, alors je me suis mis à pleurer. C'était pendant que je pleurais que j'ai entendu des coups de tonnerre dans le ciel. Immédiatement après ce retentissement, en un clin d'œil je me suis vu entouré par des bêtes sauvages, qui ont atterri de je ne sais où. Ces animaux qui m'entouraient sont des bêtes que j'ai regardées souvent à la télévision. Parmi ces animaux j'ai vu un léopard, un lion, un ours et un éléphant, un chien sauvage et autres. Quand ils sont apparus ils ne m'ont pas attaqué, mais ils m'ont entouré tous, devant cette scène épouvante. J'ai tremblé et j'avais pissé sur moi. J'étais loin de mes parents qui étaient à la maison, et qui croyaient que leur fils est à l'école. J'étais en train de faire face à des choses terribles. Au fait, ce sorcier magicien m'avait transporté dans ce forêt pour ouvrir mes yeux et mes oreilles de l'esprit, et donc j'étais là debout devant ces animaux, qui ne m'avait ni menacé ni dévoré, mais pendant que j'étais là en uniforme debout devant ces bêtes sauvages, j'ai commencé à entendre des voix au milieu de ces animaux sauvages,
J'ai pensé peut-être que c'étaient les voix des chasseurs dans la forêt, mais cela n'était pas le cas. Les voix provenaient du milieu des animaux. Ces voix humaines qui me parlaient provenaient de ces animaux. Et donc ces animaux me parlaient comme des hommes. J'attendais des voix au milieu d'eux qui me disaient, Félicien, nous sommes venus vous souhaiter le bienvenu parmi nous. Nous sommes enchantés et contents du fait que vous êtes maintenant dans notre camp. Vous êtes maintenant membre de notre confrérie. Vous faites partie de notre bien-aimé. En vrai dire, ces animaux sauvages étaient des leaders de confrérie sorcières de toutes les régions du Zaïre. Ils étaient venus me saluer et m'accueillir. Et ils se réunissaient souvent au milieu de la forêt équatoriale. Et donc ces bêtes n'étaient pas des animaux ordinaires, mais des hommes. Je veux dire des sorciers qui se sont transformés et métamorphosés en des bêtes sauvages. Et quelquefois ces sorciers prenaient des formes des animaux et tenaient des réunions au milieu de la forêt équatoriale, dans des endroits éloignés, isolés et lointains, où les hommes n'osent pas s'hasarder. Alors parmi ces animaux le lipard était le leader des sorcières de la ville de Kinshasa, le lion était le leader de sorciers la province de Bakongo. Plus tard une fois que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie, ce lion qui était le leader de la confrérie sorcière de la région de Bakongo, me nomma à la poste de son secrétaire. Alors pendant que j'étais accueilli par ces bêtes sauvages qui étaient des sorciers sous forme animale, il y eut un autre retentissement dans le ciel, et soudainement la forêt équatoriale et les animaux sauvages disparurent de ma vue. Je n'étais plus dans la forêt, mais je me suis retrouvé dans une agglomération futuriste et urbaine. Dans cette ville urbaine et métropolitaine il y avait des autoroutes et des gratte-ciels devant moi. Dans les routes de cette civilisation je pouvais voir des automobiles modernes qui n'existaient pas encore sur la Terre. Je voyais des jeeps qui n'étaient pas encore en circulation sur la Terre. Laisse-moi vous informer que les véhicules que vous voyez sur la Terre aujourd'hui, moi je les avais vus il y a plusieurs années auparavant dans le monde de Satan. Et donc à l'âge de 9 ans, j'avais vu des jeeps et voitures mis en circulation récemment sur la Terre. Je les ai vus dans les routes et dans les installations technologiques du monde macrocosmique de Satan, le pandémonium. Ces installations et laboratoires technologiques sont contrôlés par la sirène Athena, qui est le savant numéro 1 du monde de Satan, et qui s'occupe des développements et progrès technologiques, dans le monde de Satan et sur la Terre. Si tu as l'habitude d'envier les choses de ce monde, je te conseille de te réveiller. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et donc j'étais dans un rond-point du monde de pandémonium, et je pouvais voir les blancs conduisant des voitures et ils me saluaient. Plus tard je pouvais voir ces gens se déplacer dans l'espace. À ce stade mes yeux spirituels sont déjà ouverts car je pouvais voir le monde de Satan, et alors que j'ai contemplé le monde satanique, j'ai de nouveau attendu un coup de tonnerre, et comme résultat, en un clin d'œil je me suis retrouvé dans la cour de l'école. J'ai constaté que les élèves étaient toujours en récréation, et les deux gamins se battaient toujours, et donc tout ce que j'avais vu dans la forêt et le monde de Satan, arriva en un clin d'œil. Alors une fois que je suis retourné à l'école, mes yeux spirituels étaient toujours ouverts. Au fait, j'avais trois visions. Les choses étranges m'arrivaient, j'ai voyé simultanément la forêt équatoriale, le monde de Satan et notre monde. J'avais trois visions simultanées. Quand je suis retourné à l'école, je voulais demander à mes collègues s'ils voyaient ce que je voyais mais ma bouche était devenue lourde. Alors que les deux écoliers se battaient, le gamin qui était le vieux sataniste fit sortir une mouchoire rouge, appartenant à la sirène Jacqueline, la dame de la toilette qui réside dans les toilettes. Je veux dire les toilettes de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, car les maisons des enfants de Dieu sont sacrées, à cause de la présence de Dieu. Alors, cet écolier avait déjà envoûté les autres élèves qui regardaient ce bataille. J'ai vu ce gamin agrandir son coup de poing, les autres élèves ne pouvaient pas voir ceci. Moi je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient déjà ouverts. Après avoir agrandi son coup de poing, il cogna l'autre écolier qui entra en coma et se mit à saigner. Les autres élèves s'enfuirent. Ce qui est bizarre est que moi je ne voulais pas et ne pouvais pas fuir. Quand un ami remarqua que je ne fuyais pas avec les autres écoliers, il tenta de me tirer par la force, mais ça n'a pas marché. Plus tard, il dira que j'étais devenu lourd comme un métal. Quand le préfet de l'école est venu, il se mit à engueuler et assommer le gamin qui était le sorcier. Le préfet lui amena dans son bureau. Pendant que le préfet les menait au bureau, je le suivais. Curieusement, je n'ai jamais su pourquoi je le suivais. Et pourquoi le préfet ne m'a jamais demandé pourquoi je le suivais. Alors le préfet dit à cet élève qui était le vieux sorcier, « Je dois t'amener dans la station de la police, car je ne sais pas le sort de ton collègue qui est en train de saigner dans le coma. » C'est alors que cet élève qui était le sorcier, proposa de réveiller l'autre gamin, qui était toujours dans l'inconscience. Le préfet accepta cette proposition,
mais il n'était pas sûr que cet écolier qui saignait allait se réveiller de son coma. Alors cet élève et le préfet sont sortis du bureau. Bizarrement, j'étais toujours en train de les accompagner. Dès que nous sommes arrivés où l'autre gamin était allongé dans le coma, j'ai vu ce gamin qui était sorcier venir auprès de l'élève qui était allongé dans la cour de l'école dans le coma. Il leva ses yeux vers le firmament et se mit à invoquer la sirène de l'espace qui contrôle vidéo cabalistique. Il invoquait la reine du ciel au nom de Marie de Marguella. Il invoquait aussi trois démons de l'espace qui sont le démon Isis, Horus et le démon Seth. Ceux-ci sont des démons planétaires de l'espace. Ces démons furent adorés dans l'Égypte antique. Ces trois démons sont dans l'Eucharistie qui est distribuée dans l'Église catholique. Plus tard, l'élève qui était dans le coma se réveilla. Ensuite, je suis retourné dans la salle de classe et je me suis assis. Mais je voyais toujours les images de la forêt équatoriale et celles du monde de Satan. Pendant que j'étais assis, le professeur écrivait dans le tableau. Mais soudainement, le tableau noir était devenu rouge. J'étais le seul à constater que le tableau avait changé de couleur. Ensuite, j'ai vu le tableau devenir comme une piscine. Et j'ai vu une fleur rose qui flottait au-dessus de l'eau. Puis j'ai vu une sirène qui sortait de sa piscine. Il faut noter qu'il existe des sirènes des eaux. Il existe aussi des sirènes du monde souterrain. Ceux-ci sont gouvernés par la sirène appelée Déméter, qui est la déesse du monde souterrain. Elle est également associée au retour de la végétation lors du printemps. La sirène Déméter travaille avec sa fille la sirène Perséphone. Ces deux sirènes du monde souterrain sont responsables des accidents des circulations, et elles s'occupent de tout ce qui est relatif à la terre et le monde souterrain. Il y a aussi la sirène de l'air, qui est aussi la sirène des montagnes. Pendant que je regardais les images de la sirène dans le tableau, ce dernier me salua en secouant la main. Comme résultat, je me suis mis à parler des langues inconnues comme si j'avais perdu connaissance. Mon enseignant qui ne comprenait pas mon langage a cru que j'étais devenu fou. Mes collègues aussi ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Il faut savoir qu'il y a un démon au nom de Shiva. Elle est responsable de fausses prophéties, fausses délivrances et fausses parler en langue. À l'époque où j'étais féticheur, quand certains pasteurs venaient chez moi pour chercher le miracle et les guérisons, j'ai leur donné le démon Shiva, qui leur permettait de prophétiser et d'opérer de fausses délivrances. Alors quand j'avais fini de parler des langues de démons, je me suis mis à m'exprimer en anglais et en français. Mon enseignant avait conclu que je devais avoir des troubles mentaux. Puis j'ai attendu une voix d'un homme blanc, qui me recommandait de sortir de la salle de classe, et d'aller derrière les bâtiments de notre classe. Quand je suis sorti de la salle de classe, je suis allé derrière la salle de classe. C'est alors que j'ai vu l'élève qui était le sorcier magicien. Il me promit de m'amener dans le loge de la Rose-Croix pour l'initiation. Plus tard, je suis entré à la maison, mais je voyais toujours simultanément la forêt équatoriale, le monde de Satan, et les esprits dans l'espace. Je manquais la force de révéler à ma mère ce qui m'arrivait. Quelques jours après, quand ce sorcier m'amena dans la loge rosicrucien, il y avait passation du pouvoir entre moi et le vieux sorcier. C'est dans ce loge que je devais être initié à la magie noire, blanc et rouge. Et je devais être initié graduellement à la sorcellerie familiale, nationale et internationale. Et enfin, ce sataniste devait me léguer 3600 démons pour m'assister dans mes différentes missions. Parmi ces 3600 démons, il y avait les démons de l'espace, les démons du monde des eaux, les démons du monde souterrain, et les démons de montagne. Je devais donc travailler avec des démons qui résident dans le montagne, les démons qui habitent dans le forêt, les démons qui dominent dans l'océan et les affluents, les démons qui influencent et gouvernent dans la mer. Il faut savoir que cette planète est conquise par Satan et ses démons. La terre est occupée et assiégée par les démons. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et donc nous cohabitons avec les démons de tout genre dans ce monde, même si nous ne le voyons pas. La protection contre ce force du mal étant Jésus-Christ seulement. Alors une fois que j'ai rejoint le loge de la Rose-Croix, on me fit savoir que je devais prêter serment devant Lucifer. Nous tous qui étions nouvellement initiés, nous étions supposés lâcher son sexe et prêter serment de ne jamais révéler les secrets de Satan. On prêtait le serment du silence. Après ce serment du silence, nous étions avertis et prévenus d'avance que l'infraction et la transgression de la loi allaient occasionner la mort ou la folie. En effet, dans le monde de Satan, la loi est rigide, et il n'y a pas de compassion. Dans le pandémonium, il y a des démons qui sont appelés des préfets de discipline. Ils sont des squelettes rouges. Leur rôle est de punir tous ceux qui transgressent les lois et règles des alliances et pactes sataniques. Dans la Rose-Croix, dans le loge de la Rose-Croix,
J'ai travaillé avec le politicien de la Seconde République, on se raconterait dans le chasse nocturne, dans la rose croix notre maître était le bourgmestre de la commune de Limité, un menoutiste, on se renseignait dans sa loge, dans le cimetière, et dans le monde de Satan. Il faut prier pour nos politiciens car ils sont impliqués dans l'occultisme, par conséquent il devient implacable, et sans cœur, celui qui dirigeait notre pays, le président Mobutu, était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale. Nous étions dans sa clique. Dans la Rose Croix, j'ai travaillé avec le démon qui influençait la vie socio-économique et politique du pays. Même les démons qui travaillent dans le domaine littéraire et académique. Et donc il eut passation du pouvoir entre moi et ce sorcier. Il m'y introduisit dans la sorcellerie familiale, nationale et internationale. Dans le cadre de la sorcellerie familiale, je travaillais à partir des lois établies dans ma famille. La sorcellerie nationale me permettait d'opérer au-delà de ma famille. Je pouvais atteindre, détruire et abattre toute personne qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, qu'il soit de ma famille ou non. Par la suite, j'ai accédé à la sorcellerie internationale qui m'avait permis d'effectuer de chasses nocturnes dans divers pays d'Afrique et du monde, comme par exemple l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Amérique. Il faut noter que la sorcellerie familiale est aussi appelée la sorcellerie ancestrale, car il est basé sur l'implémentation ou l'application de lois établies dans les familles par des alliances et rituels ancestrales. Dans presque toutes les familles africaines, il y a des lois établies qui résultent des rituels de versement de sang et des paroles parlées. Ces lois contrôlent nos familles. Il y a donc des limites, des barrières et des restrictions. Et donc quand j'ai pratiqué la sorcellerie familiale, j'ai metté en application et j'ai exécuté les lois établies dans ma famille par le sorcier et les ancêtres qui ont opéré dans la famille avant moi. Je faisais respecter les lois que j'avais trouvées dans le famille. Il y avait des lois qui stipulaient que les femmes ne devaient pas se marier, les hommes ne devaient pas trouver un emploi durable, les enfants ne seront pas intelligents à l'école, personne ne devait percer financièrement dans la famille, et donc tout le monde devait mourir pauvre. En vrai dire, j'étais l'homme fort de la famille, et je faisais prévaloir ces lois qui régissaient la famille. Personne ne devait échapper à ces lois établies, ils étaient tous sous surveillance. J'attaquais la famille restreinte et élargie. Du côté maternel et paternel, j'ai réclamé les gens sur base des lois établies, car les voix se levaient contre eux. Je veux dire, les paroles prononcées par les ancêtres se levaient contre eux. Vous allez sûrement vous demander d'où venaient ces lois établies dans ma famille. Au fait, ces lois qui freinaient et bloquaient les familles sont issues de paroles parlées durant des rituels. Et pendant ces rituels, le sang sont versés et les paroles sont parlées. Tout ceci constitue ce qu'on appelle un autel. Rappelez-vous que le mont de Golgotha où Jésus a été immolé était un autel, car le sang avait coulé, et Jésus-Christ avait crié « Tout est accompli ». Et bien que le sang de Jésus a coulé il y a plus de 2000 ans, ce sang continue de crier des bonnes choses dans la vie des enfants de Dieu. Les paroles prononcées dans les rituels de versement de sang constituent les autels et les alliances qui parlent contre ceux qui sont issus de cette famille. Et dans ma famille, mes ancêtres avaient établi un autel au moyen de rituels de versement de sang et de paroles prononcées dans ce rituel. Ces paroles prononcées dans le rituel constituent les lois qui régissent ma famille. D'autre part, ces rituels sont une porte d'entrée et un accès, permettant aux esprits d'avoir l'avantage et les dessus sur nos familles. Dans beaucoup de familles, il y a des autels et des lois établies, et des voix s'élèvent contre ces familles, à cause de ce que les ancêtres ont fait. Bien-aimés, la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En tout cas, les chrétiens nés de nouveau sont dans l'obligation de démolir, d'abattre et de démanteler les autels établis dans leur famille. Mon frère et ma sœur, je te conjure de briser, de détruire et de liquider les alliances ancestrales de ta famille, autrement tu tomberas victime de lois régissant ta famille, bien-aimé. Si personne n'évolue dans ta famille, si personne n'arrive à percer dans ta famille, il t'appartient à tant que chrétien de se lever dans le jeûne et la prière, et d'engager la guerre invisible, le combat spirituel pour détruire les autels et les lois établies qui freinent et bloquent ta famille. La Bible dit, « Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. » Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand je suis devenu sorcier, je fus obligé de me marier à ma mère dans le domaine astral, dans le cadre de la sorcellerie inconscient. Je suis donc devenu son partenaire de nuit, et je lui ai fait 3 enfants. Frères et sœurs, quand vous ne marchez pas dans la sanctification, les sorciers peuvent utiliser votre image comme masque, pour envoûter les gens avec votre morphologie.
Ma mère relevait qu'elle avait sans arrêt des rapports sexuels, mais elle ne savait pas que c'était son propre fils, car j'ai caché mon visage, toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale. Pendant la nuit, j'avais transformé mon père en cheval, par conséquent, il transportait pour moi des esprits humains, et il m'accompagnait dans le réunion qui avait lieu dans la forêt d'Amazonie au Brésil. J'étais l'homme fort de la famille, ceci du fait qu'il n'y avait pas un chrétien né de nouveau dans la famille pour me défier et me renverser. J'étais le représentant de Satan dans ma famille, et je faisais en sorte que les lois établies dans la famille soient appliquées. Dans certaines familles les femmes ne se mariaient pas, dans d'autres familles les gens meurent dans un âge déterminé. Il y a des familles où ils sont tous pauvres, car il y a des liens et des lois établies. Dans la sorcellerie nationale je pouvais tuer tout homme dans le pays qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, même si nous ne sommes pas de la même tribu ou de la même famille, donc pour ne pas être touché par la sorcellerie. Cela ne dépend pas de la famille ou tribu, mais du fait qu'on a Jésus-Christ dans sa vie. Je suis né dans une famille de 12 enfants, mais à cause de la pratique diabolique et implacable de cette art macabre, j'ai dû sacrifier 10 membres de ma famille, et donc 10 de mes frères et sœurs sont morts victimes de mes pratiques sorcelleriques, car je les ai tués. Quand Jésus m'a demandé de dire toute la vérité sur cette histoire, je fus tabassé sérieusement. Ce fut grâce à l'intervention de Jésus-Christ que je ne fus pas tabassé à mort. Mais j'ai le cicatrice partout sur mon corps. Toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale, j'ai dû donner en mariage les femmes de ma famille dans le monde astral de sorciers. Je veux dire que je les ai mariées à deux sorciers la nuit, et j'ai réceptionné des dots et bien la nuit. D'autre part, j'ai engagé les hommes de ma famille la nuit dans le monde astral. Ils travaillaient la nuit et ils étaient engagés. Comme conséquence pendant la journée ils étaient sans emploi, dans le chômage avec de durée. Il y a ceux qui devaient chômer pendant 5 ou 7 ans. En outre, j'ai posé les masques de vieillesse dans les visages de femmes dans ma famille. Dans cette sorcellerie familiale, je ne pouvais pas tuer ceux qui n'étaient pas de ma famille ou ma tribu. Wow. Incroyable. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Ce témoignage est loin d'être terminé. Il a carrément tué 10 personnes dans sa famille et marié ses sœurs à des sorciers. Après que lui-même, il ait été initié à l'école à l'âge de 9 ans. Quelle histoire, mes frères et sœurs. Quelle histoire. Qu'en pensez-vous? Réagissez en dessous de cette vidéo. Laissez un j'aime si vous êtes touché. Abonnez-vous également en cliquant sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche également. Mes frères et sœurs, c'est incroyable ce témoignage. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, c'est Nyans Reborn. Merci à tous. Préparez-vous pour le prochain témoignage et regardez même la vidéo précédente. Vous allez découvrir encore des choses extraordinaires. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui arrive dans peu de temps. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Let's go.